Bonsoir à tous. On est très heureux d'accueillir aussi nombreux donc pour le premier débat symposium de l'année. Une année qu'on espère riche en invités toujours aussi prestigieux et surtout toujours aussi intéressants. Alors sans plus tarder, je vous demande d'accueillir donc Pierre-Dimitri Gorkoti, directeur général d'Europe d'Uber. Bon, merci pour l'accueil à l'américaine, j'en attendais pas moins. C'est assez émouvant de voir sa photo dans l'amphi comme ça un peu partout. En tout cas, je suis hyper content d'être là. Merci à tous et merci à l'équipe Symposium pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là. Ça fait, je calculais à peu près 8 ans que j'ai pas mis les pieds sur ce campus, donc ça fait chaud au cœur. Monsieur Gorkoti, cher public, bonsoir et bienvenue à ce 5e débat de l'année organisé par l'association Symposium Centrale Supélec. Après un ancien Premier ministre, un économiste de renom, un caricaturiste engagé pour la paix et un réalisateur plusieurs fois oscarisé, Symposium a la chance d'accueillir ce soir Pierre-Dimitri Gorkoti, directeur général d'Uber pour l'Europe de l'Ouest et Head of Operations pour l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Vous connaissez bien ces murs, Monsieur Gorkoti, puisqu'il vous est arrivé de les fréquenter il y a un peu moins de 10 ans. Entre 2 années à Henri IV et 2 autres à Columbia, l'école centrale est en effet la 2e étape de votre CV, lequel sera ponctué de passages par des entreprises au nom prestigieux, à l'instar de la banque d'affaires Goldman Sachs, avant bien sûr d'entrer chez Uber en 2012. Mais le thème du débat de ce soir ne sera pas « Comment devenir cadre dirigeant d'une entreprise valorisée 60 milliards de dollars seulement 8 ans après la sortie de Centrale ». Ce ne sera pas non plus « Que dire ou ne pas dire lorsqu'on est en garde à vue ». On ne vous posera pas non plus la fameuse question que tout le monde se pose ici ce soir, pourquoi y a-t-il Uber X et pas Uber Central? C'est une vraie question. Et d'ailleurs, on essaiera d'éviter tout jeu de mots douteux à l'égard d'Uber à partir de maintenant. Non, ce soir, ce sera pour nous l'occasion de parler d'Uber. Uber, la start-up de la Silicon Valley, devenue géant de l'Internet en quelques années et qui n'en finit plus de faire parler d'elle, que ce soit en raison de sa valorisation stratosphérique ou à cause des taxis du monde entier, qui régulièrement font entendre leur mécontentement, parfois à coups de voitures renversées. Nous parlerons également de la stratégie d'Uber, des grands enjeux technologiques et juridiques auxquels Uber va devoir faire face, et nous essaierons de comprendre pourquoi Uber, parfois surnommé le cow-boy de la Silicon Valley, suscite aussi bien l'admiration et l'enthousiasme de certains que la colère et l'inquiétude d'autres. Nous évoquerons également ce que de nombreux journalistes et commentateurs appellent l'ubérisation de la société, ce concept dont Uber a donné le nom sans nécessairement le vouloir. Car Uber, c'est bien plus qu'un service de véhicule avec chauffeur souhaitant bouleverser l'univers du taxi, qui a lui-même peu évolué ces 50 dernières années. Non, Uber, c'est avant tout un nouveau mode de mobilité urbaine, ainsi qu'une nouvelle perception du travail individuel et de la propriété privée. Enfin, à l'heure où la délégation française brille au CES de Las Vegas, nous parlerons entrepreneuriat et nouvelles technologies, qu'ils soient en France ou dans la Silicon Valley. Merci encore, M. Gorkoti, de nous faire l'honneur de venir débattre ce soir à l'École Centrale, et excellent débat à tous. Merci. Tout d'abord, vous avez tout à fait le droit d'utiliser votre droit de réponse face à cette présentation. D'exercer mon droit de réponse. J'ai cru à une nécrologie pendant quelques minutes, mais c'était très bien, merci. Je ne mérite pas tout ça. Bon, on va tout de suite commencer à parler de Uber et sa stratégie. Tout d'abord, 6 ans après son lancement, Uber a dépassé le milliard de courses dans le monde, et la France est le 2e marché européen malgré les récents revers subis. On imagine que la stratégie chez Uber est en constante mutation. Comment gère-t-on des évolutions si rapides en termes de stratégie? Alors, c'est une bonne question. La première chose que je dirais peut-être, c'est la stratégie de Uber, dans le fond, elle a assez peu changé au cours des années. Ce qui change, c'est plutôt la tactique et l'adaptation de cette stratégie à chacun des marchés dans lesquels on opère. Et juste pour revenir un tout petit peu en arrière sur la stratégie et ce qu'on fait chez Uber, parce que c'est pas toujours forcément bien compris, et les gens se concentrent parfois un peu trop sur le conflit avec les taxis, je dirais, la stratégie, c'est assez simple, c'est de permettre via une application mobile à des gens de commander une voiture quand ils le souhaitent en quelques minutes, et de se déplacer d'un point A à un point B de manière sûre et fiable et simple. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui paraît très simple, mais c'est quelque chose qui, en fait, a des conséquences qui sont énormes, et c'est ce qui
effet, on parlait des valorisations, de toutes ces choses-là, c'est ce qui fait un petit peu l'ampleur du phénomène Uber. C'est en fait une société qui est née en l'espace de, il y a 5 ans, et qui en l'espace de 5 ans est venue finalement poser une question très simple, ou en tout cas soulever un débat très simple, qui est ben, finalement peut-être que dans 5 ans, ou dans 10 ans, ou dans 15 ans, on n'aura plus de voitures individuelles. Et quand je regarde aujourd'hui à ma fenêtre, je vois des voitures partout, je vois des voitures qui sont garées dans l'espace public, 15% de l'espace public, c'est des voitures individuelles, et ça en fait c'est quelque chose qui est peut-être en train de disparaître, parce qu'on se rend compte que la voiture est un actif qui vaut très cher, et qui est probablement bien mieux utilisé de manière servicielle plutôt que de manière de possessive, exactement. Et donc la stratégie qu'il y a derrière Uber, c'est finalement créer une place de marché, une place de marché qui est très locale, qui se passe dans toutes les villes dans lesquelles on opère, et qui va permettre de mettre en relation et d'apporter notre technologie à des chauffeurs ainsi qu'à des utilisateurs qui veulent se déplacer. Donc ça, c'est, je dirais, la stratégie maîtresse de ce qu'on fait. Ensuite, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées au cours des dernières années dans notre développement et qui font que cette stratégie, en tout cas la manière de la dériver sur les marchés, doit s'adapter. Et je dirais le facteur numéro un qui va dicter notre manière d'adapter cette stratégie, c'est le facteur réglementaire. Et en fait, c'est l'un de nos plus gros enjeux aujourd'hui dans le monde. La situation est la suivante. Dans la plupart des pays du monde, et notamment en Europe, le marché du taxi est extrêmement régulé. Il est protégé dans la plupart des pays par un numerus clausus, c'est-à-dire qu'on contrôle le nombre de personnes qui vont pouvoir faire ce métier, pour des raisons historiques. Et évidemment, toute cette industrie et ces personnes qui ont le droit aujourd'hui de conduire des taxis se sentent menacées et sont inquiétées par l'arrivée de quelque chose qui n'était même pas imaginé avant le smartphone, et qui viennent finalement concurrencer cet usage-là. Et donc, notre boulot aujourd'hui chez Uber, c'est pour chacune des villes dans lesquelles on opère, pour chacun de ces marchés, se poser la question de quel est le produit et quelle est la manière de constituer une offre de chauffeurs qui va pouvoir servir les utilisateurs et les citadins. Et je prends un exemple très simple. En Russie, par exemple, n'existe pas le marché de la limousine ou du VTC comme existe à Paris, par exemple. Et donc, on a dû trouver une approche un petit peu différente en travaillant directement avec des chauffeurs de taxi et en s'assurant que ces chauffeurs de taxi puissent utiliser notre plateforme. Là où, au contraire, dans un marché comme Paris, il a fallu créer un écosystème de VTC de zéro. Quand j'ai démarré chez Uber, il y avait 500 ou 1000 chauffeurs VTC enregistrés en Ile-de-France. Il y en a 15 000 aujourd'hui. Donc il a fallu accompagner des gens dans le développement d'une société. À Londres, par exemple, il existe un écosystème VTC qui est énorme. Et donc là-dessus, la stratégie a été de dire, bah, tiens, on va aller chercher et trouver ces chauffeurs qui font déjà ce métier en étant des VTC et leur proposer notre plateforme. Et donc à chaque fois, dans chaque marché, c'est un boulot qui est très très local. On essaie d'adapter un peu cette stratégie qui elle, ne change pas et qui, elle, en fait, se prolonge dans la durée. Alors, vous l'avez dit, donc Uber est une société de service qui emploie moins de 4000 salariés et qui met en relation des utilisateurs et des chauffeurs. Donc, vous n'êtes pas l'employeur de ces salariés, vous n'entretenez pas de flotte de véhicules en tant que société, et on imagine que vous n'avez pas besoin de faire tourner des serveurs aussi importants que chez Facebook, par exemple, qui, eux, hébergent des données énormes, par exemple les images et les vidéos. Donc dans ce contexte-là, comment est-ce que vous expliquez les 470 millions de déficits évoqués par, en particulier, la Tribune pour l'année 2015, et à quel horizon vous estimez qu'Uber deviendra rentable ? Alors, premièrement, Uber est rentable dans la plupart des marchés matures aujourd'hui pour nous. Et donc les déficits dont tu parles proviennent des marchés dans lesquels on est encore dans une phase de subvention de la place de marché. Et ce que ça veut dire subvention de la place de marché, ça veut dire que on va être amené à proposer un prix à des utilisateurs qui ne reflète pas encore la réalité de ce que le prix pourra être à terme. Donc ça, c'est une subvention qui se ferait du côté utilisateur. Ou alors une subvention qui se ferait du côté chauffeur, c'est-à-dire de proposer une incentive ou un bonus, un complément, une somme d'argent après chaque course, pour là aussi essayer d'encourager l'usage. Ça, je dirais, c'est une source, et j'expliquerai ensuite pourquoi est-ce qu'on fait ça, mais ça, c'est une source d'investissement. La deuxième chose, c'est qu'on sous-estime très souvent
Et c'est vrai que tu nous compares, par exemple, tu mentionnes Facebook, etc. On sous-estime à quel point Uber est une société opérationnelle. On n'est pas un groupe d'ingénieurs à San Francisco qui développe une app et puis la laisse tourner tranquille et tout va bien. On parle en Ile-de-France, par exemple, d'une dizaine ou d'une quinzaine de milliers de chauffeurs. C'est des gens, ça nécessite du support. Chaque chauffeur sont des personnes qu'on a convaincues de rejoindre la plateforme. Il y a des coûts d'acquisition, il y a des frais de carte bleue, il y a de la fraude, il y a évidemment un investissement très fort qui se fait dans la technologie, donc on recrute énormément de développeurs, notamment aux États-Unis pour investir. Et donc on est dans une phase d'investissement qui est assez forte dans l'ensemble de la société, au-delà même des subventions dont je parlais. Il y a évidemment certains des gros paris qu'on fait sur le véhicule autonome, sur les innovations telles que Uber Eats, telles que Uber Rush, qui sont des modèles qui n'ont pas encore pour nous atteint vraiment leur maturité et sur lesquels on expérimente encore beaucoup et donc évidemment on investit. On veut s'assurer également qu'on est capable d'attirer les talents. On est convaincu que les talents et les hommes sont ce qui vont faire la force d'une société comme Uber et de toute société. Donc on investit également pour finalement faire venir et attirer des talents. Maintenant, juste pour revenir une seconde sur le premier point où je parlais de finalement ces places de marché qui existent dans chaque ville et qu'on peut être amené à subventionner au début. La raison pour laquelle ces subventions existent, c'est que le modèle Uber, et c'est aussi ce qui fait le succès du business model, c'est un modèle dans lequel il y a des effets de réseau qui sont énormes. Et ce que ça veut dire, c'est que entre Uber qui a 10 voitures à Paris et Uber qui a 10 000 voitures à Paris, il y a une barrière à l'entrée assez énorme qui s'est créée autour d'Uber et qui finalement va permettre d'asseoir pas forcément une place de winner takes all, mais en tout cas une place confortable, parce qu'en fait, au fur et à mesure que vous développez votre offre dans une ville, ce qui se passe est assez intéressant. Plus vous avez de chauffeurs, meilleur est le service pour les clients. Ça veut dire qu'il y a des chauffeurs qui sont plus près, donc vous ouvrez votre application et je vois la centrale, je regardais en venant, il y a des chauffeurs à 4-5 minutes. Il y a un an ou il y a deux ans, c'était évident qu'il n'y aurait pas eu de chauffeurs si près. Et ça veut dire que pour les chauffeurs, ils perdent moins de temps, ils peuvent venir plus facilement rejoindre la personne qui les commande. Et ça, en fait, ça augmente mécaniquement leur utilisation, leurs revenus, et ça permet également d'investir certains de ces gains dans les prix. Et donc en fait, dans chacune des villes dans laquelle on opère, on est capable, si on fait notre travail correctement, d'arriver à une situation, et que ce soit Uber ou l'un de ses concurrents, il y a des villes dans lesquelles on n'est pas leader, en tout cas le leader sur un marché est capable d'arriver à une situation où il va proposer le prix le plus intéressant aux utilisateurs qui veulent se déplacer, tout en s'assurant que ça soit la plateforme qui soit capable de fournir l'opportunité économique la plus intéressante pour les chauffeurs qui souhaitent s'y connecter. Et quand on tique ces deux boîtes, c'est-à-dire meilleur service quelque part et prix pour l'utilisateur et revenus supplémentaires pour le chauffeur, évidemment, il y a un cercle vertueux qui se déclenche. Et c'est pour ça finalement qu'il y a certains marchés très stratégiques comme la Chine, comme l'Inde, sur lesquels il est important pour nous, notamment dans une position de challenger, parce qu'il y a des très gros acteurs là-bas, il est important pour nous d'investir et d'essayer d'atteindre assez rapidement une échelle qui va nous permettre de faire démarrer un petit peu ce cercle vertueux et d'asseoir une position confortable sur ces marchés. Très bien. Le New York Times de février 2015 stipule que vous avez embauché 40 universitaires, notamment qui ont développé le système de navigation du robot martien Curiosity, pour créer à Pittsburgh un centre de recherche. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que Uber, comme vous le mentionnez tout à l'heure, se lance dans la voiture autonome et va chercher à concurrencer Google ou Tesla de ce point de vue-là? Alors, on a annoncé publiquement un partenariat stratégique avec l'université de Carnegie Mellon à Pittsburgh qui tourne autour de l'automatisation des véhicules, qui tourne autour de la cartographie également. Je pense que ce qui se passe sur le véhicule autonome, c'est qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose qui arrivera et qui va transformer d'autant plus l'industrie tout entière. Et la manière d'y réfléchir est très simple. Je parlais dans mon introduction du transfert qui se fait un peu d'un modèle de la propriété vers un modèle serviciel. Le jour où vous avez une voiture autonome, évidemment, vous êtes en principe capable d'apporter une voiture type Uber de manière servicielle à un prix qui va vraiment défier toute concurrence et qui va pour le coup devenir même plus intéressant que le prix de conduire toi-même ta voiture pour aller du point A au point B. Et donc ce que ça veut dire ça, c'est que c'est quelque chose qui va accélérer drastiquement le transfert vers plus de voitures servicielles, parce que mécaniquement, il y aura une incentive économique
pour n'importe qui de se dire bah, tiens, finalement, je vais commander un véhicule autonome. Donc, c'est quelque chose qui va arriver, qui va avoir des conséquences extrêmement positives en termes de sécurité. On oublie le nombre de morts chaque année sur les routes en France et partout dans le monde. Ça va être très intéressant. Des conséquences en termes de mobilité, puis des conséquences en termes de pouvoir d'achat. Le budget voiture, ça reste un très gros budget aujourd'hui, le budget transport au sens large. Et donc, un pouvoir d'achat qui va être rendu aux citadins et qui va pouvoir être réinvesti dans plein d'autres choses. Donc c'est une innovation qui fondamentalement est bonne, qui va arriver. On voit les prétentions de Google qui ne s'en cachent pas dans la voiture autonome. On entend ce que fait évidemment Tesla. On a vu récemment l'union et l'alliance stratégique entre Lyft et General Motors. Ford, il y a quelque temps, a annoncé également investir énormément. Donc c'est une chose qui arrivera. Et comme toute société, c'est notre rôle aujourd'hui de s'assurer que nous aussi, on est capable quelque part de surfer également cette vague qui va transformer complètement l'industrie. Mais donc justement, à cet horizon moyen long terme, sachant que votre service repose à la base sur la localisation, pardon, et que par exemple vous n'avez pas réussi à racheter le service de cartographie de Nokia, et vous avez dû vous reporter sur des rachats d'actifs dans Bing, par exemple, sachant que vous reposiez sur Google Maps avant. Sachant cela et que les gros géants, par exemple Google ou même Apple qui vient de déposer le nom de domaine apple.car, se lancent dans cette course, est-ce que vous n'avez pas peur de perdre la main sur des aspects cruciaux de votre modèle et d'être en retard par rapport à ces acteurs-là? Alors, premièrement, je ne présenterai pas de manière négative, comme tu le fais, l'acquisition ratée, tu décris, de Nokia Hire et de celle de Bing. Je crois que la réalité, c'est que Uber n'était pas intéressé dans les actifs de Nokia. Et on a fait un certain nombre d'acquisitions assez stratégiques qu'on a annoncées publiquement. Certains des actifs cartes de Bing, une société passionnante qui s'appelle Descarta dans la cartographie. Donc on développe une expertise et je ne pense pas qu'il y ait eu de raté ou d'opportunité. Opportunité ratée là-dessus. En revanche, il y a aussi un partenariat avec TomTom, il me semble, que vous avez lancé. Tout à fait. Donc là-dessus, on avance. Après, ce qui est très clair, c'est que des sociétés comme Google ont annoncé leur plan et travaillent sur ces sujets depuis longtemps. Donc il est important pour nous de redoubler d'efforts pour essayer de finalement rattraper ce retard qui mécaniquement doit exister ou a dû exister. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que c'est encore très difficile aujourd'hui de comprendre qui seront les acteurs qui vont tirer profit de ces innovations. Est-ce que ça va être les constructeurs automobiles traditionnels qui soudainement vont commencer à développer beaucoup plus d'expertise dans la technologie et finalement eux-mêmes proposer leur système de mise en relation et de dire bah, tiens, moi je suis BMW et finalement il y a l'application BMW qui va permettre d'utiliser la flotte que j'ai aujourd'hui. Est-ce que ça va être les acteurs purement technologiques qui vont eux finalement faire construire des véhicules sur commande en kit à des constructeurs en disant moi je commande 1,5-2 millions de véhicules cette année, voilà la forme qu'il faut qu'ils aient et voilà ma liste de mon cahier des charges. Donc c'est difficile un petit peu de savoir ce qu'il en est. Ce qui est certain, c'est que la voiture autonome et ce qu'on appelle la full autonomie, c'est quelque chose qui va probablement prendre un certain nombre d'années. Il y a une très grande différence entre de la conduite assistée, d'être capable d'être sur l'autoroute et de dire bah tiens, finalement là il y a des lignes, je peux enlever mes mains, tout va bien et on continue à avancer. Et ça, on y est déjà avec Tesla, et on est en train d'y aller de plus en plus. Et à l'autre extrême, la tail de l'autonomie, dans laquelle j'appuie sur un bouton, on est à Paris, il fait 2 degrés, il pleuviote, il y a des sacs poubelles par terre, et une voiture vient me chercher, s'arrête parce qu'il y a un camion poubelle qui passe, m'amène d'un point A à un point B, et 4 heures plus tard, revient à son dépôt en banlieue pour se faire nettoyer, etc. Et ça, je pense que cette partie-là est la partie qui va être la plus difficile à atteindre, parce que mécaniquement, c'est la partie sur laquelle vous n'avez plus le droit à l'erreur. Et aujourd'hui, on voit d'ailleurs qu'il y a deux stratégies qui se développent un petit peu sur les voitures autonomes. Certaines personnes, Google par exemple, font directement le pari de cette extrême du spectre en disant on va même pas créer de volant et nous on va miser sur une chose qui est on appuie sur un bouton, la voiture vient et c'est terminé. Et certains constructeurs plus pragmatiques qui se disent bah, nous on va accompagner la transition et on va développer nos voitures autonomes avec des volants et on va les développer de manière plus organique d'une conduite assistée vers une autonomie complète. Très bien.
Vous en parliez tout à l'heure, vous êtes complètement assujetti aux législations qui sont changeantes en fonction des différents pays. Malgré ça, vous arrivez à faire des levées de fonds réussies de plusieurs milliards de dollars. Comment vous expliquez cette confiance que les investisseurs ont en votre projet ? En fait, je pense que la confiance dans le projet, déjà, elle vient de... je pense qu'il y a deux choses qui sont intéressantes chez Uber. La première chose, c'est l'ampleur du problème qu'on cherche à résoudre. Et pour revenir sur ce que je disais un tout petit peu en termes d'opportunités économiques, de taille de marché, il y a 1 milliard de voitures individuelles sur Terre. Ça représente plus que le PIB américain. Et donc ça, déjà, c'est une idée d'aujourd'hui la valeur qui est mobilisée dans l'actif qu'est la voiture, qui donne un peu une idée. La deuxième chose, c'est que le pitch aux investisseurs, c'est de montrer finalement la consistance avec laquelle on observe d'une ville à une autre le même, finalement, changement de comportement, changement d'usage autour de la mobilité. Et pour vous prendre un exemple très concret, quand Uber s'est lancé à San Francisco, on comptait le marché du taxi et de la limousine représentait de l'ordre de 120 millions de dollars. Aujourd'hui, Uber tout seul à San Francisco, en termes de volume d'activité, d'argent qui est dépensé par des gens de San Francisco sur la plateforme, c'est de l'ordre d'1 milliard de dollars. Et donc, en fait, les investisseurs ont compris que l'enjeu était bien plus grand que de dire, bah, tiens, est-ce que Uber pourra prendre une part de marché et grignoter ce que font les taxis aujourd'hui ? L'enjeu est bien un enjeu de taille colossale. Ça, c'est la première chose, je pense, qu'ils trouvent intéressante. La deuxième chose, c'est que le transport, la mobilité est un univers dans lequel la technologie peut véritablement transformer l'usage et apporter un produit qui va surpasser ce qui existe auparavant. Et c'est très clair, avec une plateforme technologique, on est capable d'optimiser finalement l'activité d'un chauffeur et donc de permettre d'apporter des prix qui vont être plus bas que ce que le monde analogue permettait. Et donc il y a un changement assez radical qui peut s'opérer, donc une transformation très rapide, parce que ce produit arrive et la technologie le rend significativement meilleur que ce qui existait. Et d'autre part, le transport, la mobilité est quelque chose qu'on utilise tous au quotidien. Donc il y a une propagation du modèle qui se fait très rapidement, qui se fait beaucoup plus rapidement que si on parlait d'un modèle de quelque chose que tu ferais une fois tous les ans ou une fois tous les 6 mois, etc. Parce que vous, votre objectif, ça serait que toutes les voitures soient utilisées 24 heures sur 24. Je pense que... On ne sera probablement jamais aussi extrême, mais ouais, je pense que dans l'environnement urbain et dans la grande banlieue, aujourd'hui, et je pense qu'on en est beaucoup à être l'exemple, avoir une voiture ne sert plus à grand-chose, très, très clairement. À partir du moment où on peut appuyer sur un bouton, avoir une voiture de manière fiable, à un prix qui reste raisonnable, il y a un intérêt qui se réduit vraiment et qui va vraiment toucher les personnes qui ont finalement qui vont habiter dans un environnement très peu dense et pour lequel l'offre ne sera pas encore au rendez-vous, ou les personnes qui vont en avoir un usage très intensif et pour lequel l'équation économique ne va pas encore être satisfaisante. Mais c'est évident que dans l'espace urbain, quand on regarde le nombre de voitures garées qui ne bougent pas, etc., on peut augmenter énormément l'usage de ces véhicules, et c'est ce que des innovations comme Uberpool encouragent. Uberpool, on voit des chauffeurs qui enchaînent des courses les unes après les autres. On a eu des chauffeurs qui sont restés plusieurs heures d'affilée sur une course Uberpool, simplement en enchaînant les uns après les autres des passagers. Donc ça, c'est une tendance de fond qu'on va voir et qui va être bonne pour l'environnement urbain, le nombre de places de parking qui sont monopolisées, pour la congestion, etc. Alors, vous avez parlé de nouveaux lancements de services Uber, par exemple avec Uberpool. On a aussi entendu parler de Uber Eats qui vient d'arriver en France, ou encore Uber Travel. Il en est question, il y a quelques rumeurs, une espèce d'agence de voyage Uber. Il y a aussi Uber Rush pour un service de coursier. On a aussi entendu parler de Uber Helicopter à Cannes, par exemple. Et enfin, un éventuel lancement de transport médicalisé aux US. Avec un partenariat avec une ONG locale. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces nouveaux domaines et de la stratégie de diversification de Uber ? Ouais. Je pense que la première chose, et je vais être assez clair là-dessus, notre core business, aujourd'hui, ça reste la mobilité, et donc c'est sur quoi la plupart des équipes se concentrent au quotidien, travaillent au quotidien. Et simplement parce que l'opportunité est énorme et on a beaucoup à faire. Après, on est une entreprise qui est très innovante et qui d'ailleurs a un modèle d'innovation très distribué. Et ça veut dire que les innovations peuvent naître d'un peu partout dans le monde. Ubercopter, c'est une innovation qui est née en France d'ailleurs. En tout cas, Uberjet était né en France, Ubercopter est né à New York de mémoire. Mais
plein d'innovations comme ça peuvent être lancées dans les marchés, et c'est souvent via ces innovations, via ces idées qui sont produites sur le terrain, que des business entiers ou des vues plus structurelles de ce qu'on souhaite faire dans le futur naissent. Et c'est comme ça qu'est né Uber Eats, où on s'est dit, finalement, c'est peut-être quelque chose, ce qui a été essayé dans cette ville un peu par hasard, lors d'une opération de Saint-Valentin ou peu importe, est quelque chose qu'on veut faire de manière plus structurelle. Et donc aujourd'hui, on a quelques piliers qui nous semblent intéressants. Uber Eats et tout le monde de la distribution de nourriture, Uber Rush qui consiste à distribuer et à toucher au monde de la logistique. Et là où ces innovations, je pense, sont intéressantes et ces métiers sont intéressants, c'est quand ils viennent se greffer à ce qu'on fait déjà aujourd'hui et finalement quand ils viennent leverager ce qui existe déjà, ce réseau de conducteurs, cette connaissance des flux à l'échelle d'une ville qui vont permettre d'apporter finalement un service encore meilleur sur des segments qui sont parallèles. Donc voilà, notre core métier ne change pas, mais il est intéressant de voir comment ce core business peut se découpler sur certaines verticales qui vont être intéressantes. Très bien. Finalement, avec l'arrêt d'Uber Pop pendant l'été dernier, vous n'avez pas du coup réussi à prendre un avantage énorme vis-à-vis des concurrents VTC et taxi. Et on peut voir que désormais, les taxis et les VTC utilisent de plus en plus des services de géolocalisation. Je pense notamment à chauffeurs privés. Est-ce que c'est une menace pour votre entreprise ? Je pense que la première chose, c'est on est une société qui est pro-compétition. Ça serait malhonnête de ne pas l'être, étant donné que c'est ce qu'on débat, c'est ce qu'on pousse tous les jours quand on parle de l'interaction qu'on peut avoir avec le monde du taxi. Donc on soutient la compétition et donc on est ravis d'avoir des concurrents. Et quelque part, c'est ce qui nous fait nous réveiller le matin aussi et c'est ce qui rend le métier excitant. Donc on est content d'avoir des concurrents français et internationaux. Plein de concurrents font du bon boulot. Chauffeur privé, par exemple, en est un exemple. Aujourd'hui, beaucoup ont répliqué un petit peu le modèle Uber d'une manière ou d'une autre, c'est vrai. Et je pense que cette concurrence, elle nous dit une chose, tous les jours, il faut chercher à innover et continuer de trouver la nouvelle grande idée. Aujourd'hui, je pense que la nouvelle grande idée, c'est Uberpool. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est difficilement réplicable par nos concurrents, ou en tout cas qui demande une technologie très pointue et une taille relativement importante dans une ville. Et aujourd'hui, ça, c'est la nouvelle innovation sur laquelle on investit beaucoup, qui nous permet d'être l'offre de transport la moins chère à Paris, transport privatif la moins chère à Paris. D'ailleurs, à propos d'innovation, vous aviez tenté de breveter certains aspects de Uber avec l'algorithme de pricing, il me semble, mais ces demandes ont été déboutées. Alors, j'ai pas eu d'informations là-dessus. Je pourrais m'enseigner, mais je savais pas. On va maintenant bien passer son boulot. On va maintenant passer à la deuxième partie. Donc, tout ce qui est phénomène Uber, Uberisation. Et tout d'abord, donc félicitations parce qu'on parle de plus en plus d'Uberisation. C'est un phénomène qu'on entend maintenant tout le temps quand on allume notre télévision. On a trouvé une définition sur Internet, parce qu'il n'y a pas encore de définition Larousse ou Petit Robert, donc ça viendra peut-être. Pour définition de Uberiser, c'est modifier un marché ou un domaine en prenant Uber pour exemple, ou alors ringardiser, faire disparaître un concurrent dépassé par l'innovation technologique. Alors vous, en tant qu'insider, comment est-ce que vous définirez l'Uberisation ? Alors premièrement, je ne suis pas insider, parce que l'Uberisation a été définie par Maurice Lévy, voilà. On le voit, c'est bien. Donc il faudrait que je lui demande la prochaine fois qu'on arrive à le voir ce qu'il avait en tête. Moi, la manière avec laquelle je résume l'ubérisation, en tout cas si je regarde le développement d'Uber, je pense que ce qui a été nouveau, c'est premièrement la manière avec laquelle la technologie a réussi à transformer un usage. Et aujourd'hui, on voit que 60%, on a fait une étude, 60% des personnes qui utilisent Uber en France déclarent avoir changé leurs habitudes de mobilité. Et donc je pense qu'il y a eu finalement une capacité à changer les usages de manière très rapide qui a été faite. Deuxièmement, et ça n'a pas forcément été compris tout de suite, mais non seulement un changement des usages, mais également une croissance totale du marché. Et donc finalement on voit que le marché a complètement grossi. Et puis enfin, et je crois que c'est ce que beaucoup de gens ont en tête quand ils parlent un peu d'ubérisation, c'est ce que ça veut dire en termes de travail. On parle beaucoup d'ubérisation du travail, et là-dessus je pense que c'est un aspect très important. Aujourd'hui, des plateformes comme Uber proposent des choses qui n'existaient pas il y a quelques années, et ces choses, c'est de dire j'appuie sur un bouton et j'ai du boulot quand je le veux, à l'heure à laquelle je veux, je prends des vacances quand je veux et j'ai cette flexibilité. Et c'est l'argument
numéro un qu'on entend des partenaires, des chauffeurs qui utilisent le réseau Uber ou qui utilisent d'autres réseaux similaires, l'argument numéro un qu'on entend, c'est j'utilise ça parce que je valorise la flexibilité de pouvoir travailler autant ou aussi peu que je le veux, quand est-ce que je le souhaite. Alors justement, vous parlez de flexibilité, sachant qu'en France, l'immobilisme politique est particulièrement décrié, avec la lenteur du système également. Et vous, au contraire, vous incarnez l'innovation et la flexibilité. C'est pour ça que certains affirment qu'au fond, vous faites ce que les gouvernements n'ont pas osé faire, en bousculant des marchés établis depuis plusieurs décennies. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Je pense que je suis plutôt d'accord, oui. Je pense que c'est assez vrai. Ce qui est très clair, c'est que la cadence et le rythme des évolutions technologiques est bien supérieur à la cadence du changement réglementaire et à la cadence de l'évolution des mentalités dans un pays. En tout cas, dans les pays européens, c'est très clair. Et c'est ce qui crée, en fait, les tensions qu'on voit apparaître aujourd'hui. C'est l'innovation qui, finalement, va plus vite et qui bouscule le débat réglementaire. Et on voit que les États-Unis, de ce point de vue-là, je trouve, sont un exemple intéressant parce que les États-Unis ont eu une capacité à réagir beaucoup plus rapidement à ces innovations. Et très vite, la Californie a été le premier État américain et le premier endroit dans le monde à libéraliser complètement ou officialiser le ride-sharing, à créer un cadre réglementaire qui permette de créer des opportunités économiques, qui permette d'encadrer l'activité. Et à côté de ça, on voit que beaucoup de pays européens sont restés beaucoup plus attentistes et beaucoup plus concentrés sur le passé, sur la protection des acteurs existants, et ont eu beaucoup de mal finalement à saisir ces opportunités. Et c'est assez intéressant dans un pays comme la France, avec 10% de chômage, quand on entend tous les jours que la priorité est de créer des emplois, c'est quand même assez amusant de dire que Uber France aurait le potentiel de créer 50 000 emplois de plus, 50 000 personnes de plus, en l'espace de 2 ans. Et ça, c'est quelque chose qui serait presque automatique et facile. Et à côté de ça, on a au contraire instauré des contraintes énormes pour protéger l'industrie des taxis, une formation de 250 heures, une garantie financière, des contraintes sur les tailles des véhicules qui rendent l'accès à la profession extrêmement difficile. Oui, c'est ce que vous expliquez souvent en fait, dans les interviews, c'est que vous dites que finalement vous n'avez pas pris le travail d'extra-taxi, c'était vraiment, il y avait une demande, et vous faites qu'assouvir la demande, mais pourtant, c'est pas la vie des taxis et des autres VTC. Je pense qu'il y a une, il y a quelque chose d'assez naturel dans l'idée, et je pense qu'on serait tous comme ça, et c'est pour ça que je comprends tout à fait les taxis, il y a quelque chose d'assez naturel dans l'idée de craindre la concurrence. Et il est évident que si demain j'étais un taxi, moi aussi ça m'inquiéterait de me dire, bah, tiens, c'est quoi cette application? Je vois plein de gens qui ont l'air de partir partout, de se balader, d'aller à la gare en utilisant cette application. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Donc je pense que cette crainte, elle est assez normale. Tu parles même de cette crainte du point de vue des VTC. C'est intéressant parce qu'on observe, alors heureusement, la majorité d'entre eux sont des entrepreneurs, sont des gens qui se sont lancés dans l'aventure et qui comprennent vraiment la vision et qui sont pour l'ouverture du secteur, qui veulent donner cette chance qu'eux ont eue à d'autres personnes. Mais on voit que certaines personnes réagissent finalement comme des taxis aujourd'hui en se disant, bah tiens, nous aussi on veut protéger notre truc, et s'il y a trop de chauffeurs, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on aura moins de demandes, etc. Ce qui sont des craintes très légitimes, et je pense que nous, notre rôle Uber, c'est d'essayer, et c'est quelque chose qu'on n'a pas bien fait historiquement, c'est d'essayer de communiquer cette histoire, de communiquer notre expérience, parce qu'on voit les marchés se développer dans beaucoup de pays dans le monde, et finalement de rassurer un petit peu le secteur sur le fait que c'est un gâteau qui grossit, la technologie va permettre d'augmenter considérablement la taille du secteur et va permettre de créer des tas d'opportunités. Et on parle des opportunités de VTC par exemple, mais je pourrais mentionner plein d'autres choses. Il y a des tas de sociétés qui sont nées autour d'Uber, des sociétés de location de véhicules spécialisées dans le transport de personnes. Il y en a plein aujourd'hui. Je rencontrais encore il y a 2 jours quelqu'un qui gère 1000 voitures en France. Sa société est née il y a 2 ans. Il y a des sociétés qui sont nées dans l'accompagnement des chauffeurs pour créer des entreprises, dans la comptabilité, dans le nettoyage de véhicules, donc dans l'assurance. Il y a tout un écosystème qui se crée, qui crée de la valeur, qui crée des opportunités économiques. Et je pense qu'il faut aussi penser à cet écosystème et ne pas réduire toujours le débat sur uniquement le taxi et d'essayer d'avoir une approche un tout petit peu plus globale sur la contribution positive au sens large de ce que peuvent amener des sociétés comme Uber. Alors justement, vous avez mentionné le chômage. Avec l'avènement d'Uber, mais aussi de tâches simples qui sont proposées et rémunérées, par exemple par Amazon Mechanical Turk, on observe en quelque sorte le retour du travail à la tâche, sans vraie garantie sociale, et une espèce de polarisation entre emplois très qualifiés d'une part
et très peu qualifiés d'autre part, avec une disparition de l'entre-deux. Est-ce que ça ne constitue pas un retour au XIXe siècle, pour reprendre certaines critiques, une espèce de servitude volontaire fondée sur la peur du chômage? Par exemple, hein, tandis qu'Emmanuel Macron défend votre entreprise en partant au CES à Las Vegas, certaines attaques vont extrêmement loin. Par exemple, un membre du bureau national du PS qui vous a qualifié de, pas vous personnellement, mais Uber, de négrier. J'ai lu le tweet, je ne savais pas s'il parlait de Macron ou de Uber. Mais je plaisante. Non, mais le tweet, les deux sont mentionnés. C'est vrai. Non, non, je plaisante. Mais plusieurs choses. Premièrement, je pense que il y a un peu une incompréhension ou une mécompréhension de ce que Uber bouleverse dans le monde du travail. Aujourd'hui, des chauffeurs qui travaillent sur la plateforme Uber sont des gens qui sont des sociétés, auto-entrepreneurs, SASU, ainsi de suite, qui sont tous au régime social des indépendants, au RSI, donc ont une protection sociale. Ils sont des indépendants au même titre que 3 millions d'indépendants ou plus de 3 millions d'indépendants en France et au même titre que l'intégralité des chauffeurs de taxi. Donc, d'un certain point de vue, on ne réinvente pas un modèle de travail. On développe effectivement un pan du travail qui existe aujourd'hui, qui sont des indépendants et qui ont un régime de protection sociale pour ça. La deuxième chose, à nouveau, pour prendre l'exemple du travail à la tâche, etc., je pense que la vraie différence dans un modèle comme le modèle d'Uber, c'est que ce sont des gens qui sont maîtres du moment auquel ils veulent travailler, de s'ils veulent travailler, de s'ils veulent venir le lendemain ou arrêter d'y venir. Et pour beaucoup de gens, on voit, et Emmanuel Macron le dit, et il en est intimement convaincu, on voit que pour beaucoup de gens, des opportunités comme celles proposées par la plateforme Uber ou comme d'autres, sont aussi des tremplins d'accès à l'emploi. Et ça permet à des gens, dans des situations souvent difficiles, de se dire, bah, tiens, ça va me permettre de continuer à nourrir ma famille pendant que je cherche à monter ma start-up, pendant que je cherche à trouver un emploi, etc. Et donc ce sont des tremplins pour beaucoup de gens. Il y a plein de gens qui ne font pas ça à plein temps et qui font ça quelques heures par semaine. Et d'ailleurs, au passage, simplement là-dessus, c'est dommage de voir que les barrières ont été élevées à ce point-là pour l'accès à la profession, parce que plus les barrières sont basses, plus on permet d'entrer sur vraiment du complément de revenus et de toucher une tranche de la population encore plus large qui va valoriser ce complément. Mais aujourd'hui, les gens valorisent cette flexibilité, ils ont une protection sociale, c'est souvent un tremplin vers l'accès à l'emploi et ce sont des opportunités économiques qui sont intéressantes d'un point de vue financier. Évidemment, il y a toujours des gens qui vont s'en plaindre ou qui vont dire c'est pas ce qu'on m'a promis ou c'est pas ce que je souhaitais, etc. Et on essaye de rencontrer chacune des personnes qui s'en plaignent pour essayer de comprendre la situation. On fait un travail énorme avec en business development avec des tas de sociétés pour essayer d'abaisser au maximum la structure de coûts de tous les partenaires qui travaillent sur le réseau Uber. On a des gros partenariats avec des sociétés comme Europcar, avec d'autres différentes sociétés automobiles, avec des sociétés d'assurance, pour s'assurer qu'on est constamment capable d'essayer de baisser un maximum la structure de coûts de ces partenaires et d'aligner au maximum notre intérêt et ceux des partenaires qui tournent sur le réseau. Donc moi, je ne trouve pas très honnête les accusations comme celles dont tu parles et le fait de vouloir rendre d'Uber le symbole, de vouloir faire d'Uber le symbole d'une précarisation du travail. Très bien. Pour revenir un peu à la définition de l'ubérisation, quand on pense à ubérisation, on pense souvent à un service qui est fourni d'un particulier à un particulier. Alors qu'avec l'arrêt d'Uber Pop, on n'a plus du tout dans votre entreprise Uber cette notion, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a 250 heures de travail à faire, des véhicules de formation, de 250 heures de formation, des véhicules qui doivent respecter certaines normes. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt parler d'Airbnbisation ? J'adorerais qu'on parle d'Airbnbisation, ça me libérait un peu de temps. Première chose, et je veux juste le mentionner parce que je pense que c'est important sur ta question concernant le travail, tu soulèves un bon point. Je pense qu'il y a une grande différence entre des plateformes qui vont mettre en relation des particuliers avec des particuliers dans lesquels effectivement
La question fiscale se pose, est-ce que ces revenus sont déclarés? La question du travail se pose, est-ce que ces gens qui en vont en vivre à plein temps parce qu'il y en a toujours, ont-ils une protection sociale? Donc cette question-là, elle se pose tout à fait dans ces plateformes-là. Et aujourd'hui, Uber, je pense, via Uberpop, est devenu un peu l'icône de ce débat, mais finalement ne l'est plus vraiment parce que, comme tu dis, une plateforme comme Uber aujourd'hui en France, ce sont des professionnels qui sont souvent des gens à leur compte, parfois des petites sociétés, mais ce sont des professionnels qui paient leurs impôts, qui ont des structures fiscales, ainsi de suite, qui servent des particuliers. Donc, Airbnbisation, je ne sais pas, mais peut-être, parce qu'effectivement, j'utilise pas mal Airbnb, j'ai souvent des gens qui font ça comme un business, qui tournent ça comme un business, et j'ose espérer simplement qu'ils déclarent leurs revenus comme un business, comme le font les partenaires Uber. Alors, vous avez parlé de fiscalité, donc une fois de plus, je vais m'aventurer sur un sujet un peu... agressif par certains. Il semblerait que vous utilisez que Uber utilise différents montages d'optimisation fiscale avec un paiement en Hollande qui ensuite est transféré aux Bermudes pour enfin arriver au Delaware avec une taxe sur les sociétés à 2% à peu près. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, nous expliquer comment ça se passe? Bien sûr. Alors, la première chose, je répondrai sur la structure Amsterdam et compagnie. Simplement la première chose, parce qu'on mélange beaucoup à nouveau Uber, Facebook, Google et toute la bande, n'oublions pas que dans le modèle Uber, 80% de la valeur, elle est du chiffre d'affaires de sociétés, de professionnels locaux. Donc ça, c'est déjà une première différence. Ça ne change pas sur la structure dont je vais parler, mais quand on regarde la contribution à l'écosystème, pour une course à 10 euros, il y a bien 8 euros qui sont le chiffre d'affaires d'une société de transport française, et ainsi de suite. La deuxième chose, concernant les Pays-Bas, notre siège international, donc en dehors des États-Unis, le siège international est aux Pays-Bas. Et là-dessus, ma réponse est la suivante. La première chose, c'est que on respecte aujourd'hui la réglementation en vigueur et on ne fait pas de fraude fiscale. Donc beaucoup de sociétés, y compris françaises, font appel à des montages comme celui-ci. Et moi, étant français, évidemment, j'adorerais que le siège international d'Uber soit à Paris, etc. Et donc ma question en général, parce que j'ai cette question souvent et je l'ai eu aussi par beaucoup de politiques qui sont sensibles au sujet et je le comprends, ma réponse, c'est sans doute... Moi, en tout cas, à titre individuel, je n'ai pas forcément le contrôle de ces choses-là. J'aimerais bien que ce soit en France. Ce que je sais, en revanche, c'est que j'étais chez Uber quand les réflexions se sont faites de comment organiser la structure et de où mettre le siège, etc. Et j'aurais aimé que la France, finalement, soit un territoire qui puisse se placer haut sur la liste des pays qui ont été considérés. La taxation n'a pas été du tout la seule considération. Évidemment, ça rentre en compte. Mais il y a plein d'autres choses. Il y a la flexibilité du travail. Il y a l'anglais. Est-ce que les gens parlent anglais? Est-ce que le talent est là? Est-ce que c'est des endroits où on peut attirer beaucoup d'étrangers, etc. Et sur tous ces critères, la France, en tout cas, quand on a regardé ça, n'était malheureusement pas l'endroit le plus attractif. Et aujourd'hui, quand on voit la complexité qu'on a à se développer sur le territoire, les freins qui ont été mis, etc., quelque part, évidemment, le signal n'est pas donné au Uber de demain de venir établir leur siège en France, alors qu'on a tout et on a le talent pour légitimer ça. J'en parlerai ensuite, mais il y a énormément de Français chez Uber à San Francisco. Cisco, ingénieurs, développeurs en Europe, etc. Donc c'est dommage, mais aujourd'hui on respecte la réglementation, on a une contribution très forte à l'écosystème local et je pense qu'il y a une question structurelle de fond que cherche à adresser aujourd'hui la Commission européenne sur est-ce que ces montages sont légaux, est-ce qu'ils seront encore là dans 10 ans, mais tant qu'ils le sont, on ne peut pas en vouloir à une société de finalement optimiser ce qu'il peut optimiser. Donc en quelque sorte c'est une espèce d'appel du pied au gouvernement français. Est-ce que vous pensez qu'il est difficile de justement composer avec les différentes législations et pourquoi Uber a du mal à justifier certaines de ses activités, par exemple UberX ou anciennement Uberpop, auprès des institutions législatives? C'est une bonne question parce que j'ai probablement vu très très peu de politiques me dire « je ne comprends pas ce que vous foutez, ça ne sert à rien, les taxis vont très bien, ça n'apporte rien, on n'a pas besoin de vous ». Le message que j'ai systématiquement, c'est intéressant, on sait que l'industrie va se développer dans cette direction-là, c'est intéressant pour le consommateur, ça crée des opportunités économiques. En revanche, on a une transition à gérer, que je comprends, les taxis sont là, ils sont inquiets, ils se posent la question de ce que ça veut dire pour leur activité aujourd'hui, et donc on veut freiner un maximum l'essor de la technologie et l'essor de ce genre de modèle. Donc je pense que c'est avant tout une question de temps,
Et puis c'est une question aussi, quelque part, malheureusement, de repousser un petit peu les problèmes, et puis toujours systématiquement se dire que ça sera au prochain de traiter ça. Et donc on voit finalement qu'il y a un petit peu un jeu de systématiquement de repousser de 6 mois le problème, de résoudre une grève en mettant les dirigeants d'Uber en garde à vue, et puis de gagner 6 mois. Aujourd'hui, une nouvelle grève est prévue le 26 janvier, cette fois-ci pour tuer Hitch et les VTC, et ainsi de suite. Et donc systématiquement, on a un rythme comme ça qui est dicté par la pression du terrain, la pression des taxis, plutôt que par une vraie vision. Et là-dessus, je peux pas m'empêcher de comparer des pays comme le Royaume-Uni ou comme l'Angleterre, sur lesquels il y a une vision extrêmement forte. Vous regardez à Londres le plan de Transport for London, qui est le régulateur anglais des transports à Londres. Et le plan du maire également. Vous avez des plans de 30 pages en PDF avec des images superbes sur la ville, sur ce qu'ils veulent en faire, etc., qui inspirent vraiment une vision. Et c'est pas simplement du blabla, parce que la réglementation suit derrière, est extrêmement pro-consommateur, extrêmement pro-compétition. On n'en est pas encore là. Et maintenant, je pense que je souhaite qu'on y arrive. Et je vois des progrès, et on voit que les VTC sont beaucoup plus acceptés, et j'espère qu'on y viendra, mais c'est vrai que ça a été plus lent dans certains pays d'Europe, dont la France. On en parlait tout à l'heure, avant le débat, et vous avez mentionné de l'application Hitch, qui a d'ailleurs été cofondée par un Supélec. Comment vous expliquez que Hitch, qui est totalement sur le même plan que Uberpop, soit légal et pas Uberpop? C'est une excellente question. Premièrement, Je connais bien Teddy Pellerin, mais j'adore Hitch, et voilà, je trouve que le modèle est très dur. Je ne peux pas te cacher, c'est très difficile au quotidien de comprendre comment est-ce que c'est possible. Et clairement, il y a une situation, quoi qu'on en dise, et je sais que Teddy aime beaucoup parler de « non, mais nous, c'est que la nuit », ou... La réalité, c'est que la grande majorité des chauffeurs Uberpop, ils sont aujourd'hui sur Hitch. On le sait, on les connaît, on leur parle. Donc, ce que je souhaite en tout cas, c'est que l'aventure Hitch aujourd'hui et ce qui se passe aujourd'hui permettent finalement de créer un secteur. Et s'il faut être français pour pouvoir pousser une réforme et faire en sorte qu'un modèle soit adopté, tant mieux, ça fait de la concurrence, et je suis très content en tant que Français de voir des sociétés innover. Maintenant, il est vrai que c'est surprenant, et je ne l'aurais pas attendu d'un pays comme la France, de créer à tel point un écart finalement et de poids de mesure. Mais ce qu'il faut quand même mentionner pour Hitch, c'est que les conducteurs ont un salaire qui est limité en termes annuels. Ils ne peuvent pas dépasser un certain montant, il me semble que c'est 6 000 euros de chiffre d'affaires, donc c'est assez peu, et on ne peut pas en faire un revenu mensuel. Mais très bien, ça me va, mais dans ces cas-là, faisons-en une règle. Et puis disons, bah tiens, Uberpop en dessous de 5 000 euros, c'est très bien, ça marche aussi, et soit. Bon, on va passer à la troisième partie. Et alors, je veux juste ajouter un truc, je le mentionne avant. Pour tous ceux qui n'ont pas utilisé, parce que je vous vois tous utiliser Hitch, là. Pour tous ceux qui n'ont pas utilisé Uberpool, faites l'essai, écrivez-moi un email si vous avez payé plus cher que sur Hitch. Et je vous rembourserai la course. Uberpool, c'est un peu votre nouveau produit de vitrine, en fait. Donc alors, pour les questions un peu plus personnelles. Donc on en a parlé tout à l'heure. Vous avez fait Central, ensuite vous êtes allé à Columbia pour faire un diplôme d'ingénierie financière. Ensuite vous avez travaillé à Goldman Sachs. Pourquoi avoir choisi Uber après avoir travaillé 4 ans chez Goldman Sachs? Alors c'est une bonne question. L'histoire s'est passée de la manière suivante. J'ai bossé chez Goldman Sachs, j'étais intéressé par l'investissement, je travaillais sur les marchés, j'investissais les fonds propres de Goldman. J'ai eu l'opportunité de démarrer un hedge fund avec des anciens collègues, donc j'ai quitté une première fois Goldman Sachs pour démarrer un hedge fund, qui était une aventure un peu entrepreneuriale et qui a satisfait un petit peu ce que je recherchais dans l'entrepreneuriat, en tout cas pour un temps. Après un an et demi dans ce hedge fund, j'ai réalisé que je voulais monter un business. Et donc j'ai passé 6 mois à appeler plein d'anciens collègues de promo, plein de gens, plein d'entrepreneurs, contacter des gens sur LinkedIn. Et à chaque fois, j'ai essayé de comprendre un petit peu ce qui les animait, ce qui les faisait se réveiller le matin. Et je faisais ça parce que je savais je voulais être sûr que j'avais envie d'être entrepreneur, et je sais que c'était un changement difficile. Et puis un beau jour, en juillet 2012, je me suis réveillé un matin en me disant, bah tiens, ça y est, je sais, je vais être entrepreneur, j'ai envie de monter une boîte, et j'ai démissionné. Donc, j'ai quitté le fonds que j'avais bâti avec mes deux anciens boss pour monter une boîte. Je savais pas encore quoi faire, mais
mais je voyais en fait beaucoup aussi de mes collègues à droite, à gauche, dans les métiers de la finance, etc., qui arrivaient un peu en boulot le matin en disant « Ah ouais, moi je ferais ci, je ferais ça, après je montrerai un resto après, j'aurais ci, j'aurais ça », et personne ne faisait rien. Et en fait, ça me rendait un peu nerveux de voir tout le monde s'inventer un peu le projet futur, mais sans agir. Et donc, je suis parti, et en fait, le hasard, et je pense que dans tout ce que j'ai fait auparavant, il y a toujours une énorme part de chance, le hasard a fait que une des personnes que j'avais contactées dans les 4 mois d'avant, un centralien, un collègue de promo d'ailleurs, m'appelle 2 semaines après ma démission et me dit « Tiens, au fait, on s'était parlé, tu voulais monter ta boîte, etc. J'y pense juste, j'ai rencontré à Paris les gens de Uber, des US, qui étaient là pour démarrer un peu le truc, ils cherchent des gens, etc. Va voir. » Moi, j'avais lu un demi-article TechCrunch sur Uber. Donc le nom m'était familier, mais je n'avais vraiment pas regardé. Je me suis renseigné un petit peu. J'ai été faire des interviews presque à contre-cœur parce que je venais démissionner pour monter ma boîte. Et donc j'avais tout sauf envie de redevenir employé, même si l'aventure avait l'air intéressante. Et en fait, au fur et à mesure du process d'interview, j'ai eu l'occasion de rencontrer le fondateur Travis, Ryan, le numéro 2 de la société. Et c'est là où j'ai vraiment été pris de l'aventure et de tout ce qu'il y avait à construire. Et puis j'ai également, et ça je pense que c'est aussi une grande leçon que j'apprends d'eux si demain je voulais faire un business, c'est que typiquement ils arrivent à attirer des gens qui vont bosser beaucoup en donnant une énorme autonomie et un ownership aux gens. Et moi, typiquement, qui venais démissionner pour monter ma boîte, jamais j'aurais été chez Uber si j'avais eu l'impression que j'irais au boulot le matin à 9h en étant le petit employé de quelqu'un et j'avais envie d'être entrepreneur quelque part. Et ça, c'est la vision avec laquelle Travis a conçu cette boîte. Et c'est ce qui a fait que je pense j'ai satisfait ce que je cherchais dans l'entrepreneuriat, en tout cas jusqu'à ce jour. Et donc justement, 4 ans après ce choix, si vous n'étiez pas chez Uber, dans quelle boîte vous aimeriez être et à quel poste? Si vous n'étiez pas chez Uber. C'est une bonne question. J'en parlais en venant par hasard, mais c'est difficile à dire, mais un business que je trouve fascinant aujourd'hui, que j'aurais bien aimé, même si je ne vais pas paraître prétentieux, mais si on me donnait ce que je veux, j'aurais bien aimé diriger Waze, qui est l'application aujourd'hui de GPS, je suis sûr que beaucoup vous l'utilisez. Waze, je crois que c'est 70 ou 100 millions de personnes qui l'utilisent dans le monde. À l'instant où je parle maintenant, en Ile-de-France, il y a 70 000 personnes qui sont au volant en train de conduire avec l'application ouverte. Et ça, dans le monde que je décris, le monde du changement de consommation de la voiture, etc., c'est un potentiel qui est délirant, qui est assez fascinant. Ils ont lancé à Tel Aviv un système qui s'appelle RideWeave, qui est un système où en fait vous êtes sur Waze en train d'aller à Central tranquillement, et puis au feu rouge vous avez un petit beeper sur votre téléphone qui vous dit bah, tiens, tu veux prendre le mec qui est juste là pour 4 euros et l'amener à Central, il y va aussi. Et je trouve que ça c'est un potentiel qui est délirant. Mais du coup, est-ce qu'on ne perdrait pas un peu de côté personnel, communautaire? Parce que finalement, est-ce que c'est pas plus sympa de partir à Central avec les gens avec qui on a déjà parlé? Ouais, mais je pense que une fois que tu arrives à développer l'usage, ce sont ces gens-là avec qui tu vas te balader, simplement tu les rencontreras et tu rencontreras des gens de ta promo à qui tu as peu parlé via l'application. Il y a plein d'imagination et d'idées qu'on peut avoir, de le connecter à LinkedIn pour que les gens, souvent le covoiturage urbain comme ça, court distance, il se fait dans le cadre de travail, de trajet domicile-travail. Donc en identifiant les sociétés des gens, tu vas pouvoir réunir des collègues. Il y a plein de choses qui peuvent être faites très intéressantes une fois que tu as la scale. Donc là, actuellement, vous êtes chez Uber et c'est une entreprise qui bouscule les choses, on l'a dit, qui cherche à être innovante. Et donc, vous êtes au cœur de l'entrepreneuriat et de l'innovation, qui sont des sujets assez inspirants à Central. Et beaucoup d'entre nous aimeraient faire partie, voire créer des entreprises un peu comme Uber. Quelles seront les entreprises de demain, selon vous? Quelle est la prochaine révolution numérique, par exemple? Moi, la première chose que je dirais, déjà... Je valorise énormément tout ce que j'ai appris à Central et je trouve que ce sont des études d'un calibre qui est mondial. Et je le dis sincèrement, je suis allé à Columbia, tous les Français, tous les ingénieurs français étaient les premiers du master. Et je le vois encore chez Uber, on a des développeurs stars qui sont des développeurs français. Donc la première chose, c'est une formation géniale. Ce que je regrette un petit peu, enfin je le regrette pas forcément et je suis content de ce que j'ai fait, mais ce que j'aurais aimé, c'est peut-être avoir une ouverture un petit peu plus grande sur tout ce monde de la technologie qui était déjà en train d'exploser et de passer peut-être un peu moins de temps sur l'industrie lourde, plus traditionnelle, etc., qui est très bien aussi, mais en tout cas d'être un peu exposé à tous ces univers. Et ce que je vous donnerais comme conseil à certains d'entre vous, c'est ma conviction, c'est que ce qui se passe dans le monde de la technologie,
c'est quelque chose qui est très profond, qui n'est pas une histoire. Alors les valorisations, les machins, tout ce que vous voulez, c'est peut-être des cycles évidemment et des bulles et tout ce qu'on veut, mais le sous-jacent, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, qui ne fait que commencer, et les opportunités sont massives. Je ne sais pas aujourd'hui, je suis sûr que l'école a évolué et est beaucoup plus ouverte, et le fait d'être là, c'est sans doute un reflet de ça aussi, mais j'encouragerais tout le monde à vous renseigner, à vous abonner à des newsletters type TechCrunch, type Business Insiders, à vous documenter un peu sur le monde des startups et d'innovation qui aujourd'hui est majoritairement dominé par la Silicon Valley, mais qui se développe malgré tout un peu partout, en France, en Europe, etc. J'encouragerais tout le monde à se documenter là-dessus, parce que c'est très enrichissant de voir toutes ces idées, et ça nous donne un peu une idée du monde qui nous attend demain. Après, sur quelle carrière faire, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais vous avez le droit, mais le conseil que je donnerais, en tout cas la chose qui est intéressante, et je pense que ça a été... Moi, quelque chose qu'on m'avait donné, des mentors m'avaient dit comme conseil et que j'ai un peu découvert en changeant de rôle par hasard, en changeant d'univers, vous marchez dans une boîte quand vous êtes capable, et dans une carrière professionnelle, quand vous êtes capable d'aligner, tout d'un coup il y a un silence, quand vous êtes capable d'aligner vos skills, donc ce dans quoi vous êtes fort, avec ce qui va faire le succès dans un environnement donné. Et beaucoup de gens pensent à leur carrière en disant, bah tiens, je suis pas très bon en présentation publique, il faut que je bosse ce truc-là, je suis pas très bon en ça, il faut que je bosse ce truc-là. C'est bien, il faut toujours essayer de bosser un peu, mais la réalité, c'est qu'on a beaucoup plus à gagner de pousser ses forces et de miser sur ses forces et d'aller là où ses forces se traduisent et se traduisent en opportunités, en développement, etc. Et donc ça, c'est un truc que j'encouragerais tout le monde de faire, et c'est très difficile, et moi, j'étais pas du tout prêt en sortant de Centrale, mais j'encouragerais tout le monde de, dès maintenant, se poser un peu la question de qu'est-ce qui fait que, et dans quoi vous êtes bon et dans quoi vous vous sentez à l'aise, et il y a généralement une grande similitude entre ce que vous aimez faire et ce dans quoi vous êtes bon, et c'est d'aligner tout au long de sa carrière ça avec ce que vous faites qui est important. Vous parliez à l'instant de la Silicon Valley, de sa suprématie. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un cluster qui est en train de se créer, donc l'université Paris-Saclay. On a vu d'ailleurs que vous étiez donateur, vous avez participé au financement du déménagement à Saclay. Un cluster comme Paris-Saclay a vocation de rassembler différents moteurs de l'économie française, les étudiants, les chercheurs, les entreprises. Est-ce que ça pourrait être intéressant pour une société comme Uber de s'implanter à Paris-Saclay en France? Ouais, je pense que on était jusqu'à présent assez jeunes comme société, et donc s'intégrer dans l'écosystème était évidemment important, mais on n'avait pas le temps, les ressources à dédier, et je pense qu'on a fait beaucoup de progrès là-dessus, et aujourd'hui Uber en France se veut une société française, Uber France veut investir et s'investir dans l'écosystème, dans les startups, on essaie d'intervenir à beaucoup de conférences, et je ne sais pas exactement dans quelle mesure on pourrait contribuer, être à Saclay d'une manière ou d'une autre, mais ce qui est certain, c'est quelque chose qu'on va faire beaucoup plus qu'on va faire au cours des prochains mois et des prochaines années. Je pense que beaucoup de gens aujourd'hui voient Uber et évidemment s'imaginent le mastodonte, etc. On reste une société qui est très jeune, qui est assez petite, et il y a beaucoup de ces choses que tu attendrais d'acteurs plus établis qui ne sont pas aujourd'hui encore vraiment présentes dans ce qu'on fait au quotidien, et ça, on essaye d'y remédier et on y travaille dur. Et une dernière question avant de passer à la suite. Souvent les entrepreneurs cherchent à connaître le prochain Facebook. On est tous un peu, enfin tous les gens de l'innovation et de l'entrepreneuriat cherchent un peu à découvrir quelle sera la prochaine révolution. Est-ce que vous pensez que Uber pourrait être le prochain Facebook avec une mondialisation, une globalisation de toutes les fonctions qu'elle apporte? Moi, j'en suis, enfin c'est dur de comparer à Facebook, mais je suis convaincu que l'aventure Uber ne fait que commencer. Ça paraît drôle souvent quand je dis ça, parce que déjà je le dis depuis 4 ans, et parce qu'aujourd'hui on se dit, enfin t'es gentil, c'est déjà gros ton machin, mais je suis convaincu que ça fait que commencer, et quelque part, tant qu'on ouvre sa fenêtre le matin et qu'on voit que l'environnement urbain n'a pas changé, la route est encore très longue. Donc moi je suis vraiment convaincu au fond de moi, et je ne serais pas aussi passionné si je n'avais pas cette conviction, que l'aventure, le potentiel est énorme, ne fait que commencer. Après, Facebook est un modèle qui est différent, que j'envie d'une certaine nature, parce qu'évidemment, c'est des modèles qui sont moins lourds en opération. Mais d'un autre côté, l'opérationnel chez Uber est ce qui rend vraiment les métiers intéressants, cette proximité aux villes qui rend, et cette empreinte locale qui rend le business assez fascinant. Donc je suis très bien là, c'est difficile de me comparer à Facebook, mais en tout cas le potentiel est énorme, j'en suis convaincu.
Merci beaucoup. Maintenant, on va passer à un petit jeu. Ça s'appelle un Fast and Curious. Alors, on va vous proposer deux choix. Et vous allez devoir en choisir un, du coup. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, justifier. Maths ou physique ? Physique. Physique. J'ai toujours préféré la physique. Airbnb ou hôtel Accor ? Hôtel Accor. Airbnb. Quand même. Pas sérieux, là. C'est pas nous qui répondons. Hein. Central. L'argent du beurre ou le sourire de la crémière ? Le sourire de la crémière, sans hésitation. C'est une bonne question. Je suis pas sûr de quoi répondre. J'utilise de moins en moins Facebook. Je ne suis pas un grand fan de Twitter. Je dirais Facebook malgré tout. Ouais. Silicon Valley ou Paris Saclay, on en parlait. Paris Saclay. Al Gore ou René Coty ? Je me dois de répondre Coty, bien sûr. VTT ou VTC ? VTC. Bureau des... Vous connaissez bien ces deux associations, ouais, on en parlait avant ? Bien sûr. Je penche pour BDE, même si je sais que je veux rendre mon collègue Damien tendu. Oui, parce que votre collègue ici présent a fait l'ADR, c'est ça ? Oui, exactement. Voilà, je vous remercie, monsieur Gorgotti, d'avoir accepté notre invitation. Je pense qu'on peut l'applaudir.